Et on se retrouve sur Soul Calibur 6 dans le mode Chronic Dam où nous allons attaquer du coup Xianghua après avoir fait Kilik et Maxi dans le dernier épisode. Et du coup sans transition, hop, on commence. Les talents de Bretouche du numérique. Xianghua was born during the Ming Dynasty into the Nope fatherless. She was raised well by her kind. In time, she learned to use her mother's Chinese. Though her mother passed away at a young age, Xianghua continued to devote herself. Her life, however, was on the verge of. A long time has passed since your mother left this world. It has. Things cannot have been easy for you. I've never really thought about it like that. From time to time, I just remember what my mother said to me. Fate is carved with your own hands. Use that sword to open a way to the ever-changing future. So whenever I face challenging times, it's up to me to overcome them. Your attitude reminds me so. And my. That too, of course. With my mother's sword in hand, I. Naturally. And if you wish to. How so? Apply to work for the Emperor. If you are serious. It. Really? Our country is facing difficulties. Even so, you must remember that you represent the Chai name. Understood. Ok, donc là on va devenir. Donc ça avance sa rencontre avec Kilik et tout, on va devenir garde de l'empereur et tout. Xianghua devait passer un examen avant d'intégrer la garde de l'empereur. Faire partie de la famille Chai ne lui permettait pas de devenir garde d'un claquement de doigts. Elle devait d'abord prouver sa valeur en démontrant ses capacités. Do us proud, Xianghua. I will, and then some. No one can ma- Don't hurt yourself. The exam has only just begun. I know. Oh, is that mooncake? Looks great. Ow! You can eat if you. Non, tu bouffes pas. Tu vas réussir ton examen et après t'auras ton gâteau. Ah là là. Petite scène de la vie quotidienne là. Tranquille, au calme. Bon, là, on va se le manger. Là. Comment ça? Oh putain, j'ai. Non. Putain, je suis vraiment mauvais. Non. C'est ok, on a eu peur. Hein. Pas grand chose, mais ouais, on a eu peur. I didn't expect a written exam. Of course we did. If you've got time to whine. I hear your brother was on another level. He's not around anymore, so. If I get into the Emperor's guard. You could. You need to worry more about your exams than Mooncake, no? Okay. Pour entrer dans la garde de l'Empereur, vous devrez être Bac plus 8 et avoir le concours d'État. Ayant passé son examen, Xianghua fut appelée à se rendre dans la banlieue de Beijing. Un officier en formation, alors qu'elle attendait avec les recrues, elle vit quelqu'un approcher. Wow, I didn't think that the exam must still be. I can't believe there's actually another woman. And the name's Liang Lingyu. It's an honor to be here with one of the Chai family. Oh, what better way to get acquainted than by going around? Huh? Ok. On va faire connaissance. Ok, je vais te mettre deux points dans la gueule et tu vas me dire si c'est bien.
Comment justifier les combats? Elle combat avec un stylo européen 16e. Wow, je t'ai cru. Ou alors je me plante et... non, je me plante. Et que c'était du style de Raphaël, mais non, c'est du style de Chango. Bon, c'est pas très joli à voir, hein, c'est pas... Il n'y a aucun intérêt. Eh ben, aucun intérêt là-dessus. Aucun... Il y avait juste du spam de boutons. Candidats à la garde du... À la garde de l'empereur étaient de moins en moins nombreux, certains abandonnèrent et joignirent l'armée, d'autres rentrèrent chez eux, chacun suivrait son propre chemin encore en lice, seuls Changhua et Lingua s'appuyèrent mutuellement des techniques qui s'entraînèrent autant que possible. Session today. Want to get some food together, Lingyu? How about we go for another round first? What? Now? What would you do if the Emperor was attacked right now? You couldn't just ask the enemy to wait while you wait, could you? Okay. All right. Enfin, on pas une garde. Go!
absolument pas ce que je voulais faire. J'ai l'impression que ma touche à l'attaque verticale est un peu buggée. Mais c'est pas grave. Chose to stick close. You use a lot of different techniques. It's nothing compared to yours. I'm just doing what my mother taught. If you've got one weakness, no matter how good you are with a sword, you can't do. I'm fine when I need to. Oh là là. Non, la vraie source de pouvoir, c'est l'amitié. Regarde, je vais te dessiner un cœur de smiley sur la main. Vampire Ming était à la recherche de l'épée des héros par intermittence, et aucune piste n'avait été trouvée pour l'instant. Tant qu'officier en formation, c'était désormais autour de Tianghua d'aider une recherche. Elle partit donc pour une zone proche des régions de l'Ouest. Do you think the hero's sword really? Don't mean. Are you sure about this? I hear they have a lot of riot right on cue. Ouais, on va buter du brigand. Ça va changer, tiens. On fait que ça de façon de buter des personnages random. Aucun mérite, zéro. C'est Dieu ce mage de bouton. Voilà, on n'en parle plus. C'est fini. La meilleure façon de se débarrasser d'un fort, de balancer depuis une falaise. Like I say, Ling Yu, Shanghua, we don't follow path, we create them. Or I could eat a. Et du coup, quand on sait qu'on affrontera un vrai personnage, c'est la fin. À la recherche de l'épée, les héros sont de nouveau soldés par un échec en retournant à Beiring, à Lingua et Lingu pour profiter d'un bref moment de répit avec Mei Mei. Here, have some tea. Yay, mooncakes! Thanks, looks great. The hero's sword, is it really worth risk? If it's for justice, then I wish I was as steadfast as you, Lingu. I haven't got a clue as to what I should do. Me with your ambition when you told me you wanted to put. Wouldn't your mother be upset? She always said, "Fate is car." Words of wisdom. Really? Yeah. All right. That's the spirit. Ouais. La joie et la bonne humeur. Bien que Shanghua soit arrivé à l'examen final, il y avait de la place que pour une personne. Malheureusement, pour Shanghua, ça signifiait qu'elle devait devoir se battre contre Mingyu. Oh là là, truc pas couru d'avance. I guess it was too much to ask for us to bling you. You do understand I won't. Come on. But I. Your blade's shaking. I'll take no pride in be. Quelle est la meilleure façon de progresser? Défoncer son meilleur ami. Wow, on se calme tout de suite. Go!
j'espère que ça suffira à lui voler parce que la vache. Le niveau est monté d'un cran, c'est phénoménal. La pression. La pression, putain. Je le sentais tellement pas. Vache. That's why the Third Corps is using the Emperor's cigar. Here I am! Another path closed to me. Fate is carved with your own. Use that sword to open a way to the ever. Mother! Ling Yu. Bon, du coup, la vidéo. On n'est pas très loin des 20 minutes. Du coup, je pense que ça fait une bonne vidéo. C'est largement suffisant pour aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser juste Chiangua tout seul, tant pis. Mais vu que ça fait du contenu relativement important déjà. Voilà, et du coup, dans la prochaine vidéo, on attaquera Gru. Voilà, et après, Azuel, je sais pas qui c'est, il n'y a pas de ligne. Pareil, Cervantes, il n'y a pas de ligne. Siegfried n'a pas de ligne, mais je pense qu'il faut finir Nightmare pour avoir la. Bref. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.